Faut-il se préparer à une nouvelle vague Covid? C'est donc l'inquiétude du moment, vu de la remontée des chiffres. Avec l'hiver, on ferme les fenêtres, c'est vrai, il y a plus de promiscuité. Première conséquence de tout cela, le masque sera à nouveau obligatoire à l'école dès lundi. Il y a quelques perturbations, mais c'est ainsi dans 39 départements. On voit tout cela. Voilà, il y a quelques perturbations ici en plateau. C'est normal, c'est du direct. On va parler du vol des carburants maintenant, qui donc prend de l'ampleur. Le fléau prend de l'ampleur, je le disais, avec la hausse évidemment des prix de l'essence. Ce sont bien souvent les flottes de véhicules d'entreprise qui sont les premières visées, et les transporteurs, avec des préjudices. C'est vrai qu'ils s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. C'est ce qu'ont constaté nos correspondants en Gironde, Francis Mazoyer et Thierry Breton.